Oh non! Salut! Tu m'as déjà vu sur des vidéos comme je joue à Pat' Patrouille parce que c'est bien et on s'amuse? Ou alors je deviens l'ami de Peppa Pig? Ah pfiou! Chef-d'œuvre? Ou alors je teste Ben 10 et je m'enjaille comme jamais! Comme Jaja! Aujourd'hui, Soccer Story! L'histoire du football, qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est... Seule chose que je sais du jeu, c'est un jeu avec du football, mais c'est en pixel art. Voilà. Est-ce que c'est dans la même veine que Golf Story? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien? Nous allons le découvrir. Ceci, en cet instant précis. Voilà. Maintenant, c'est tout de suite. Attention, faites pas les fous. Fabélian, si tu m'entends, fais pas le fou. Je fais ça, bim. C'est parti, mon kiki. Et c'est l'heure du goûter. Donc, on peut prendre ces petits, hop, ces petits gâteaux. Son jus d'orange si on a besoin de vitamine C. Et puis, c'est bon. Que j'ai le son du jeu? Je ne sais pas. On va partir du principe que oui. Oh! L'artwork prend vie. Le jeu prend vie sous nos yeux ébahis. Qu'est-ce qui se passe? C'est très long. Il serait bien Microsoft que sur ta Xbox One, ça aille plus vite quand on lance un jeu. Déjà. Ah oui, c'est long. Alors que c'est un jeu en pixel art. C'est un jeu indépendant qui doit peser assez peu de mégaoctets. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Ça ne demande que peu de ressources. Ah, quand même! Eh ben, tout. Allô. Soccer Story, bim. Please wait. J'attends. Je ne fais que ceci. Les options. Alors déjà, c'est en français, c'est une bonne nouvelle. Ceci étant, très bonne nouvelle. Les options. Alors j'ai dit que c'était en pixel art, mais en fait, pas du tout. C'est, on tente de faire du pixel art, mais ça reste un jeu en 3D. Ce reste du voxel. Peut-être bien. Alors les vibrations des manettes, je les enlève parce que ça va me saouler. Difficulté des matchs, on laisse en normal. La langue, je la laisse en français. Très bien. Je vais le mode histoire. Pour voir déceler, est-ce qu'il y a un mode RPG dans le jeu? Est-ce que c'est comme Mario Tennis, ces jeux de Mario Sport sortis sur les consoles, par exemple sur Game Boy à l'époque, qui étaient développés par Camelot. Du coup, Mario Tennis sur Game Boy Color est un RPG où l'on fait des matchs de tennis et c'était hyper bien. C'était un mini RPG où on fait des matchs de tennis. Voilà, sélection du jumeau. Je suis une jeune femme. Où je suis un jeune homme. On va prendre la jeune femme. Paf! Un an plus tôt. Oh, il y a une histoire. Il y a une story. Il y a quelque chose qui se passe. Ah. On part tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi le tuto? Donnez-moi le tuto. Ah, oh, c'est Olivier Tom. On y est, c'est la finale. Essayons de marquer rapidement. Oula. Bouger L joystick. Passer avec A et tirer avec B. Bon, pour l'instant, c'est simple. Ah, oh, je suis un petit tigre. Bam. Oh, ça m'a l'air d'une... L'arcade. L'arcade à la maison. Oula. Déjà, comment on tacle? C'est quoi pour tacler X? Où est mon perso? C'est quel perso que je contrôle? Ah, c'est pas clair, hein. Ouh là 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 là, c'est pas clair du tout. Non! Je passe avec A. Donc il y a un petit requin. Hop, je passe au requin. Je passe au barbu. Attention, attention, faites pas les dingues. Je dribble. Comment on dribble dans ce jeu? Bim! Je tire. Il arrête mon tir. Tir cadré. Oh, je marque le but. Déjà, c'est hyper arcade. Après un but incroyable, le cataclysme frappe.
Cela défie toute explication rationnelle. C'est-à-dire. C'est un shonen? Oh! Notre plan a fonctionné! On peut prendre le contrôle du football! À la go! Et les animaux, on les renvoie? Et oui, ils serviront d'exemple! Les gens n'oseront plus taper dans un ballon! Quant au vieillard, mettez-le au boulot! À vos ordres! À partir de ce jour, le football fut interdit, à l'exception de quelques matchs contrôlés par Soccer Inc. Incorporation. En dehors de ces matchs, personne n'a joué au football depuis des années. Wouah! C'est un univers où le football a été interdit. Ah! Mais ceci, un ballon magique? C'était bien un ballon? Je dois demander à maman. Vite! Parlez à votre mère. Ah, c'est un RPG, vraiment. Ah, je peux examiner. C'est Pokémon. Examine, examine. J'ai trouvé une pièce. À moi la richesse. Puis-je jouer à la console? Non. Ah, le jeu est chaloupé. Hein. Visuellement, il y a un petit esprit rétro. C'est mon chien. C'est Pumpy. Est-ce qu'on peut planter des courgettes? Plantons des courgettes. Salut! Tu as vu ce ballon? Tu joueras plus tard, mon cœur. Finis d'abord tes corvées. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on joue réellement au foot dans ce jeu de foot? Ou est-ce qu'on va se taper des dialogues et une histoire pas très intéressante et très peu jouer au foot? Aïe aïe aïe. Il est sorti de nulle part hier. Mais maman, arrête! Pourquoi tu n'irais pas plutôt chercher les carottes? Ah la cour. En fait, on voulait jouer Harvest Moon et on va se retrouver à jouer à FIFA. Utilise tes pieds, appuie sur X pour faire un tacle. Quoi? Ah, c'est le tuto. Crampon de jardinage. Appuyez sur X pour tacler. Ah, je peux tacler? Ah, je peux tacler ma daronne. Très bien. J'ai taclé ma daronne. Ok. Fly. Tout va bien. Ah, je peux tout tacler. Ah, c'est comme ça qu'on ramasse les carottes, d'accord. Ceci était donc des carottes et non des courgettes. Je peux me casser. Attendez, est-ce que je peux tacler le chien? Non. Ça aurait été une honte. Interdiction de tacler les chiens. Oh, j'ai validé la quête. Oh, merci! N'oublie pas de nourrir le chien. Quelle tête en l'air tu es parfois? Les croquettes du chien sont à l'intérieur. Tu peux ouvrir ton inventaire avec Stibilip. C'est quoi Stibilip? Attendez, c'est quelle touche? C'est celle-là? Oh, il y a un inventaire. Est-ce qu'il y en a? Ah, oh, il y a un inventaire de quête. Nourrissez Pumpy! D'accord. Comment je reviens dans la maison? Où est-ce que je trouve la nourriture? Pourquoi est-ce que c'est au frigo? Ah là là. Ça gigote. C'est presque plus joli que les remakes des jeux Pokémon sur Switch. Hein. C'est quand même terrible. Il y a quelque chose. Oh! C'est un peu Zelda. Je peux couper de l'herbe, mais avec un tacle. Avec un tacle, fla! J'ai brisé des tibias. Le briseur de tibias, on m'appelait. C'est pour toi, Pumpy. Encore? Oh là là, ça y est, les quêtes FedEx. On voulait jouer au foot, et finalement, on fait des quêtes FedEx. Ad vitam aeternam. Eh ben, merci, super. Parfait, tu peux aller jouer. Mais où est passé le ballon de football? Ne prononce pas ce mot! Tu portes la tenue de foot de ton père. Tu regardes les matchs de soccer tatati. Il est temps d'aller de l'avant, jeune femme. Trêve de bavardage, débile vosée. On veut s'amuser. Oh, il se passe un truc. À plus tard, maman. Ah, le ballon. Ah, le ballon magique. Il volait vers l'est, en direction du terrain de Soccer Town.
Je devrais le suivre. Je vais tacler toute la vie. Toute la vie, je vais tacler toutes les personnes, toute la ville. Tous les habitants de cette ville, je vais les bolosser. Je vais casser les tibias. Océan. Bureau de Beachside. Ni. D'accord. Oh, j'ai trouvé une carotte. Ah bon? Wouah. Il se passe des trucs. Il y a des secrets dans le jeu. J'ai trouvé des trucs. Attendez, mais je vais faire ça toute la vie. Salut, Frey. Tu as vu ce ballon? Ouais. Le danger, ne pas utiliser. Ah, c'est interdit. J'ai pas le droit. Oh, il y a une forêt. Ah, je suis bloqué. Très bien. J'ai pas un petit sprint? Un truc pour aller un peu vite? Ah, j'ai l'impression d'aller à deux à l'heure. Salut! Est-ce que tu as vu un ballon de foot? Ouais, super! Il se dirige vers le stade. Ah, ça y est, on va jouer au foot. Je te bolosse, toi aussi. Tu mérites. Tu vas mériter. Examiner. Soccer Town. Plage du Crabe. Non, mais c'est bon. On a compris. Attendez, moi, je veux voyager. L'exploration, c'est toute ma vie. Dazuné, bonjour! Salut, Dazuné, comment tu vas? Ouais, visuellement, c'est chouette, hein. Comment allez-vous, jeune homme? Augmentez votre tir jusqu'au niveau 3 pour toucher les cibles en hauteur. Ah, il y a vraiment un niveau de... Il y a de l'expérience, il y a des levels. J'aurais du mal à marcher sur la plage avec ça au pied. Ah, je suis bloqué du coup. Je peux pas aller dans le sable. Interdiction. Bon, il manque un petit sprint. Ou un petit vélo. Pokémon, si tu m'entends, donnez-moi une bicyclette. Ah, serait-ce par ici? Est-ce que je peux mettre un tacle? Non. Oh, c'est Shenmue le jeu. Ça y est, j'ai trouvé une pièce. À moi la richesse. J'ai trouvé une pièce, à moi la richesse. À quoi servent ces pièces? Je ne sais pas. Pour l'instant, nous ne savons pas. Soccer Town. Au nord, sud, zone athlétique. Alors toi, tu mérites un tacle dans les tibias, frère? Cadeau. Salut, vous n'auriez pas vu un ballon de football? Pas de ballon de football par ici. Ok, le football est interdit, ne l'oublie pas. Non mais on a compris. On l'avait compris, hein. Tout le monde va nous redire que le football est interdit. Alors que c'est quand même le but du jeu. C'est mon but, hein, de faire du football. Qu'est-ce que c'est que ceci? Oh là là, je peux casser les panneaux, c'est Zelda. Alors ça, c'est comme Zelda. Hein. Oh, un ballon. On pourra se faire une partie de taureau. De taureau? C'est un mini-jeu que font les joueurs pour s'entraîner. Ok. Très bien. Je vais partir en quête de ce fameux ballon. Ce fameux ballon magique. Qui se sait ça? Terrain fermé, entrée interdite. Mais je suis un fou. Je suis un dingo. C'est fermé. Le propriétaire aura peut-être la clé. Mais quel est le propriétaire de cette zone? Oh, salut! Bam! Bienvenue à Soccer Town. Oui, sur le terrain. Ah. Ça, par contre, c'est vraiment cool d'avoir fait un petit mini RPG, vraiment exactement comme ce que faisait Kaamelott à l'époque, avec Mario Tennis. Plutôt que d'avoir fait juste un bête et méchant au jeu de football arcade. Est-ce que vous avez un ballon de foot? Alors, qui est le propriétaire de ce fameux terrain? Fais attention, Bob a la clé du terrain dans son bureau. Qui est Bob? Ah, il faut que je retrouve Bob? Bobby? Ouh là là. Est-ce que j'ai une carte dans le jeu? Ou vraiment c'est juste... Ah, je peux! Ah! Je peux régler la caméra. Je peux éloigner un petit peu la caméra, histoire d'avoir une visibilité un peu accrue. En vrai, je préférais que les remakes Pokémon, ça ressemble plus à ça que à ces jeux smartphone. À cette direction artistique smartphone un peu claquée. Bonjour, vous avez trouvé un ballon. Si seulement je n'ai pas tatati tatata. Bienvenue au Motif, le musée officiel de trucs incroyables de football et de Soccer Town. Wow. Et moi qui pensais que football me manquait. Tatati tatatou. Ok.
Donc on m'a dit quand même que c'était Bob qu'il fallait que je retrouve. Essayons de retrouver Bobby. Donc ça c'est le musée, m'a-t-on dit. Oh salut, c'est toi Bob? Oui, passez. Oh c'est lui. Désolé, mais qui es-tu? Je l'ai vu atterrir sur le terrain. Le seul football sûr est celui de Soccer Incorporation. Toute autre forme de football est trop dangereuse d'après eux. Mais le ballon chute, les murs ont des oreilles. Écoute, j'aimerais t'aider mais c'est dangereux. Et si tatati? Ah bon, j'aime ta façon de penser. Quel dommage, je ne verrai pas la clé du terrain posée sur la table. D'accord. Il y a un peu de... Le jeu est un peu rigolo. Le jeu est écrit de façon un peu rigolote. J'ai trouvé la clé du terrain de Soccer Town. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une machine à médaille de vitesse. Mais la machine est désactivée. Ok, c'est pas clair. Il y a un coffre. Un coffre! À moi le football! Alors j'ai le sentiment que le jeu nous a fait jouer au football les toutes premières secondes. Au tout début, le prologue. Parce qu'il avait conscience que du coup, le début du jeu allait nous mettre assez de temps avant qu'on puisse jouer au football. Donc il s'est dit, allez, on vous donne une petite goutte. C'est la bonne clé, le terrain est ouvert. En vrai, moi, je suis pas du tout joueur de jeu de football, mais un jeu de football qui n'en est pas un, mais un peu quand même, c'est plutôt rigolo. Si c'est hyper arcade, moi, ça me plaît. J'ai trouvé le ballon magique. Invoquer le ballon. Mais je joue tout seul, là. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de s'amuser tout seul? Oh, je suis tout seul, il n'y a pas de gardien, j'ai pas mis de but. But! C'est comme si le ballon faisait partie de moi. Ah bon? Invoquer le ballon à tout moment en utilisant Y. Très bien. Donc j'ai un ballon et ça veut dire que je peux l'utiliser partout, même quand je joue pas au football. C'est rigolo ça, hein. Eh mais c'était toi le ballon magique. J'ai été programmé pour vous remettre le ballon. Mentionné, avez-vous reçu le ballon magique? Robot assistant. Ma banque de données ne contient pas cette information. Et ta banque de données va payer la réparation de ma fenêtre brisée? D'accord. Merci d'avoir interagi avec moi. Est-ce que je peux faire ça? Et tirer sur tout et n'importe quoi. Je peux faire ça? Ah oui. Je peux tirer sur les gens. Est-ce que je peux faire des passes au hasard? Ah non. Bonjour kid. Comment tu vas? Non mais mine de rien, le jeu est rigolo pour l'instant. Ah, je l'ai dit, hein. Le but c'est de tester des jeux sur le Game Pass, mais pas forcément les meilleurs jeux. C'est aussi le principe, l'idée même. Attention. Oh! Mais ça va parfaitement bien. Attendez. Est-ce que je peux ouvrir ce coffre? Est-ce que je peux voler cette... Le coffre est verrouillé. Ah, j'ai pas le droit. Bon, du coup, vous allez tous être taclés. Zbref. Ça vous apprendra, tiens. Vous apprendra à faire les dingues. Magique. Tu devrais parler à mon frère dans la forêt. Ah, d'accord. Regarde, j'ai trouvé le ballon. Ok, je vais aller voir Bobby.
Comment on fait déjà? Ah oui, c'est ça. Alors pour l'instant, je peux m'amuser. C'est un peu la tristesse de... de la vie quand tu es enfant unique. T'as un ballon, mais tu joues tout seul. Pour l'instant, je ne m'amuse que tout seul avec mon ballon. Attends, est-ce que ces cibles, elles servent à quelque chose, là? C'est ça, le principe du jeu? Est-ce que c'est un mécanisme? Comment on vise? Oh là là, c'est compliqué. Ah! Il y avait une pièce dans le tuyau! Incroyable! J'appelle ça une gouttière. Pourquoi vous dites un tuyau d'écoulement? Oh oui! Ah mais c'est vraiment des trucs! Ah d'accord! Avec ma capacité de ballon, je peux interagir avec mon environnement. C'était donc ça. Amazing! Le musée... Non mais tu m'as déjà parlé de tout ça. Ouais, me raconte pas ta vie. Est-ce que ça m'intéresse? Merci. Ah! Bob. Salut Bob. J'ai trouvé le ballon. C'est plus fort que moi. Vite, ferme la porte. Je n'ai pas vu un tel ballon depuis des années. C'est incroyable, il semble te suivre. Ça veut dire que je peux jouer au football? Nanananana. Le football non officiel. Et un tir dit. L'allergie au papotage. Ça papote, ça papote. Je ne peux pas simplement jouer au football officiel? Pas sans une équipe, non? Tu ne choisis pas ton équipe, c'est ton équipe qui te choisit. Ok, la cour. Écoute, ça reste entre nous, mais cherche d'anciens joueurs. Ils parlent toujours de leur gloire passée. Montre-leur le ballon et tu verras ce qu'ils en disent. Ah, il faut que je monte mon équipe. Recruter 3 coéquipiers. Je ne peux rien te promettre, mais reviens me voir quand ce sera fait. Ok, donc c'est des équipes de 4. Alors, sache que j'ai jamais joué à Inazuma Eleven. Salut! Je casserais ce ballon si j'étais toi. Ce n'est pas aussi simple que ça, j'accepterai si les deux autres acceptent aussi. Ah bon? Oh le relou! Vas-y, mérite un tacle. Est-ce que dans Inazuma Eleven, tu peux mettre un tacle à tout le monde dans la vie? C'est un peu hit and run. Fla! Hit and run! Fla! Qu'est-ce que vous allez faire? Qui veut jouer au foot? D'accord, je reviendrai plus tard. Oup. Est-ce que... Si là je mets un but, il se passe un truc. Ah, il se passe rien. Nothing happened. Attendez, et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Défi de dribble. Ah, il se passe des trucs. Hein. Il y a des trucs dans le jeu. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, jeune homme? Tatata sont apparus avant que Soccer Tatata. J'ai peur que la même chose arrive à Soccer Town. Il me cherche. Je peux vous aider? S'il te plaît, je suis un ninja. Oh là là, c'est un ninja. Je vais détruire les pancartes. Merci, reviens me voir. Ah, il faut que je détruise. Ah, d'accord. Ah, c'est une Kate. Attends. Alors ça, c'est compliqué. Bim. Oh, j'ai gagné des sous. Un ballon de foot? Oh, il y a un petit enfant, là. Si le drapeau tititit, tu pourras essayer tititit. Eh bah, super. Je fouille. Hein. On va farfouiller. L'exploration, c'est ma vie. Forêt mystérieuse, droit devant. C'est marrant, ils ont repris tous les codes des RPG classiques. La forêt... Oh! Les personnages qui papotent pour ne rien dire. La base. La base. La forêt mystérieuse fait peur. Ah, j'ai pas le droit? Ah non, c'est nul. Ah, le jeu me met des bâtons dans la roue. Ça, c'est nul. Me bloquer de façon hasardeuse. Par contre, je vais les casser, moi, les panneaux, là. Je baise tout, hein. Moi, je suis un voyou, je suis un délinquant. Bim. Alors, qui aurait l'intention de jouer avec moi au football? Au soccer? La forêt mystérieuse me bloque, j'ai pas le droit.
Ouais, mais c'est complètement. Je pense que le jeu, il surfe complètement. J'ai pas joué à Golf Story, mais il surfe sur cette idée-là. D'ailleurs, il laisse à penser que c'est le même développeur, mais c'est pas le cas. C'est pas les développeurs de Golf Story. Et je crois que Golf Story, les développeurs de Golf Story sont sur un autre jeu. Un autre jeu dans le même genre, mais je crois que c'est pas encore sorti. Si je ne m'abuse. Je peux pas y aller là-bas? Ah non, la forêt mystérieuse! Oh, il y a un papy. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a... Pourquoi s'il y a ces panneaux? Pourquoi il y a un petit chat là? C'est compliqué de viser avec mon ballon. Mais c'est compliqué. J'ai vu là, j'ai vu, il y avait une cible. Oh là là. Pas facile le jeu. Est-ce que je peux me rapprocher? Oh, c'est impossible de viser. Le ballon part. Est-ce que j'ai moyen de contrôler? Oh, c'est un miracle. Salut. Me dites pas que je le veux dans mon équipe. Ah ça non, le football me manque. Ah ça oui, mais ça ne sera pas si simple. Tu dois découvrir la véritable beauté du football. Oh, c'est compliqué le jeu. Tu dois trouver des cages secrètes. Comme celle-ci sur le mur. Qu'est-ce que c'est cette statue de chat? Ce petit chat doré signifie que des cages secrètes se trouvent dans le coin. Oh. Mais j'ai aussi tracé les cages secrètes que j'ai trouvées en rose. Prouve-moi que tu peux les trouver. Utilise B pour tirer dans les six. Oh là là, mais c'est trop... Mais si. À la cour. Et moi, je pensais qu'on allait jouer au foot. C'est quand qu'on joue au foot dans le jeu du foot? Ah! Mais Kid, c'est prévu. En plus, il est dans le Game Pass. Non, mais tu sais que ça fait des années. Je me souviens, déjà l'année dernière, je voulais le lancer sur le stream et puis j'ai fait autre chose. Mais c'est complètement prévu. En plus, je l'ai, parce que je l'avais acheté, parce que le jeu coûte plus rien aujourd'hui. Et il se trouve qu'il est dans le Game Pass. Ah, mais on fera ça, un de ces quatre. On fera ça. Évidemment. Évidemment que c'est prévu. Je pense qu'on y jouera, pour le coup, avant le nouveau Zelda. Très certainement. Mais en plus, il est possible que ce soit pas mal, en plus. Il est possible que ce soit... Que ce soit plutôt rigolo. Ouh là là. J'ai failli me bloquer dans la texture. Un ballon? Tu peux peut-être m'aider? Ah non, mais tout le monde va me donner des quêtes FedEx. T'attends quoi, Coléo? Il a dit... Ils ne répondent plus à mes commandes. Je suis sur le chasseur de drones, mais les chasseurs deviennent parfois les chassés. En fait, j'ai de moins en moins envie, sur le stream, de me lancer dans des jeux un peu longs et de faire ça ad vitam aeternam. Je me dis, peu importe, si on finit pas les jeux, si on fait des découvertes, c'est bien aussi. Viens me voir dans la forêt quand tu le pourras. Ok, d'accord. Mais il est sur ma liste, hein. Immortal Phoenix Rising. Il est sur ma liste. De ces jeux qui ont tout volé à Zelda, qui font croire qu'ils sont Zelda, mais qu'ils ne sont pas Zelda. Genshin, je t'ai vu. Ah! Comment ça? Il y a un passage secret? Il y a... Quoi c'est ceci d'histoire? Oh! Mais en vrai, ce jeu devrait... Je pense que sur Switch, il a complètement sa place. C'est vraiment un jeu... console portable, quoi. Vraiment, j'ai l'impression de jouer à Mario Tennis sur Game Boy Color. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok.
Je détruis tout. Je peux vous aider. Non, 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 ça m'intéresse pas. Bon, le jeu me coince. Le jeu m'empêche de vivre ma vie, donc ça c'est un peu chiant. Par contre, je vais tirer à droite, à gauche. Il m'avait dit qu'il fallait que je... Où sont les quêtes déjà? C'est marqué où? Comment ça marche? Ah oui, ça c'est les objets que j'ai en ma possession. Un talon de billet. Très bien, j'ai une clé. Très bien, j'ai une carotte. Je sais pas quoi ça c'est. Hein. Quête principale. Ah, quête secondaire. C'est quoi les quêtes secondaires? Oulala. Détruisez des pancartes. Trouver des talons. Oh, il y a 1 million de quêtes, ça y est. Le jeu, il s'est ambiancé. Mettez le ballon dans 5 cages secrètes. Dites à Bob. Non, ça c'est fait, ok. Donc là, pour l'instant, il faut que je fasse ça. 5 cages secrètes. Alors, j'ai pas encore fait un seul match de foot dans ce jeu de foot. Il se passe quoi si je mets un but là? Rien. Rien du tout. Je m'amuse. Oh là là, mais Fabelian, c'est un homme occupé. Ça travaille, ça fait des réunions intéressantes. Frère. Mais laissez-moi faire des tacles aux gens. Salut. Ils ont même pas mis Mario Tennis. Non mais c'est abus. Genre, on reviendra sur le Nintendo Direct tout à l'heure. Mais moi je trouve ça, c'est honteux. Tout est une honte. Ah! Ouah, Fabelian, tu l'as vu? Tu l'as vu, Moon Edge Daydream? Parce que j'ai l'impression que personne... Bah après, il a été très mal distribué en France. Donc déjà, c'est un miracle. Moi, il était dans mon cinéma. Mais oui, Moon Edge Daydream, c'est vraiment une de mes expériences les plus dingues en 2022 au cinéma. Ouais, mais j'ai pas eu le temps, kid. Que du coup, on a fini Inside et puis voilà, c'était l'heure de... Et pas de patrouille, c'était très bien. Si tu l'as vu, Fabelian, t'en as pensé quoi du documentaire sur David Bowie? Parce que vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et si tu ne l'as pas vu, mais essaye de le trouver. Et c'est dommage de ne pas le voir dans une salle, quoi. Parce que vraiment, c'est une expérience visuelle... Assez dingue. Ouais, mais c'était hyper compliqué. Hein. Puis il est resté une semaine. Chez moi, il est resté très peu de temps. Si jamais tu mettais un ballon dedans, elle se redresserait sans doute. Ah ! Ouais, mais en fait, ils me demandent tous de faire des petites quêtes nulles. Aïe, aïe, aïe. Oh ! Ça va être long. Attendez, ça fait combien de quêtes, ça? Ça veut dire qu'il faut que je mate. Les caches secrètes, il m'en reste 4. Et les poubelles, il m'en reste 5. Oi, 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 ça va être long. C'est un jeu de foot où tu fais pas de foot, kid. C'est exactement ça. Très, très bonne idée. En fait, je pense que c'est plus un petit RPG qu'un jeu de foot. Ah, mais oui, mais j'avais pas vu qu'il y avait des caches secrètes, là. Attendez, il faut que je sois lucide. Parce que ce qui est bien, par exemple, sur Mario Tennis, sur Game Boy Color, c'est qu'on a un vrai jeu de tennis. Vraiment, le jeu de tennis, il est hyper bien. Et tout ça enrobé dans un petit... dans un petit... Est-ce que je peux y aller maintenant? Non, je peux pas. Non, j'ai pas le droit. C'est une interdiction. Par contre, j'aurais bien aimé avoir une petite carte dans cet univers. Et avoir un petit sprint qui me permette de courir plus vite. Parce que là, je me traîne. J'ai vraiment l'impression de me traîner dans ce jeu. Mais je voulais mettre un but. But! Ah, les poubelles. Il m'a dit les poubelles. Il faut que je pense les poubelles. Bam! Si, si, kid. Il y a un Mario Tennis sur Game Boy Color. Ah, je l'avais. Sache que je l'avais. Et sache que déjà, la version Game Boy Color, il y a un RPG. Parce que c'est Kaamelott qui faisait ça à l'époque. Et du coup, c'est littéralement des RPG.
Et la version Advance, j'y ai très très peu joué. Par contre, la Game Boy Color, j'y ai joué, mais à l'infini. Je sais même pas si... je sais plus. Mais je sais pas si le jeu était en français, en vrai. Mais il est hyper bien, hein, le jeu Game Boy Color est hyper bien. Ah mince, j'ai déjà parlé à lui. Mais par contre, ça existe... Ça, c'est dommage, parce que c'était trop bien. Ça existe plus maintenant, les jeux Mario Sport, avec vraiment un vrai mode aventure, une vraie quête, un petit RPG et tout. Ça c'est fini. Chez Nintendo, a plus le temps. Et c'est assez dommage. Parce que vraiment, moi, je me souviens, l'enfant que j'étais qui lance Mario Tennis en se disant « Je vais jouer à un jeu de tennis. » Et en fait, je me retrouve avec un RPG, j'étais là « Waouh !» À la cour. En fait, c'est dingue. Et le plus dingue, c'est que le jeu de tennis... Mais c'était le cas sur Mario Tennis 64. C'est que le jeu de tennis est hyper bien. Donc, il m'en manque combien, là? Faut que je la lance, la version. Mais... Sur la console virtuelle, là, ils abusent, hein, vraiment. Parce que, ok, c'est cool, mais ils mettent 10 jeux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La 64, il y a toujours une douzaine de jeux. Ah bah super. Merci Nintendo. C'est quand même une dinguerie. J'ai vu un truc tout à l'heure là. Ah oui, j'ai vu ça. Là, il y a un petit juste. Une cachette. J'ai vu un secret. Il y a quelque chose. Mais en vrai, le jeu est agréable. Là, ok, on fait pas du foot. Mais c'est pas plus mal, parce que moi, je suis pas très joué de jeu de foot. Mais... Oui. Non mais par contre, c'est vrai que Labo, Fab, il est pas cher. Ça... Après... C'est logique. Vraiment... Parce qu'on est très loin du Game Pass, quoi. Alors si en plus, ça coûtait une fortune, ce serait... une honte. J'en ai combien, là? Il me reste deux poubelles. Il me reste deux poubelles à trouver. Ah, il y en a une là. Oh là là, évidemment, j'ai raté. Ok, donc il en reste plus qu'une. Je vais faire le tour de la ville. À la recherche de cette poubelle. Oui, Kid, pour le moment, ça me... je suis assez d'accord. Mais j'ai pas joué à Golf Story, je sais pas si c'est... si c'est la même idée. Apparemment, ça avait l'air cool. Les retours étaient assez positifs sur Golf Story. Les gens étaient plutôt positifs. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Hop, la poubelle, c'est bon. Donc ça, c'est vu. La poubelle, c'est ok, c'est validé. Retourne voir Adelph. Je sais plus lequel c'est, en plus. Ah, j'ai vu que là, il y avait... Oh. Oh, un petit smiley. Il me reste une cage secrète. C'est qui, Adèle? C'est lui? Non, c'est pas le bon. Mince, il faut que je retrouve lequel c'était. Il était où? Je crois qu'il était par ici. Où étiez-vous, jeune homme? Non, ça j'ai déjà fait. Après, cette esthétique-là, tu la retrouves beaucoup dans les jeux indés. Y a pas une grande originalité dans cette esthétique vraiment 2D, 3D. Tous ces jeux se ressemblent tous. Hein. C'est choupi, mais c'est pas très original. Je vais peut-être faire ça, là.
Oh! Ah là 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 là! Oh! Des sous! C'est Dodgeball Academia? Oh, je sais pas du tout ce que c'est, kid! C'est quoi comme jeu? C'est un jeu de sport? Il se passe quoi si je vais dans cette direction là? Oh, il y a des énigmes. Attends, c'est des énigmes, vous êtes sérieux? Ah ouais, attends. Ah, compliqué, compliqué. Ça s'avère compliqué. Non, ça, je peux pas y aller. Bon, ok, j'ai interdiction d'aller dans les bois, dans la forêt maudite. Il y a des Pokémon de trop haut niveau, donc je vais me faire bolosser. En fait, ça aurait été rigolo si ça avait été comme Pokémon et si en fait tu rencontrais des joueurs de foot un peu par hasard et qui t'agressent et qui font « Hey, viens, on fait un match de foot !» Et ça tout le temps. Ça, ça aurait été rigolo. Mais peut-être que ça va être ça, en fait, à un moment donné. Plutôt que de faire des combats de Pokémon, on fasse des matchs de foot. Qui dure 2-3 minutes, quoi, des trucs hyper rapides. Ça pourrait être très rigolo, ça. Parce que si le jeu de foot arcade, il est efficace, il est rigolo, je pense que ça peut être marrant. Bon, je sais pas trop ce qu'on fait, là, mais il faut peut-être que je retrouve la personne qui m'a dit « Oui, tu tires dans les poubelles, c'est cool, on s'amuse. » Ah, c'est lui! Ah, mais il y a un petit check pour me dire « Oh, le jeu, il est bien fait !» Comme ça, même moi qui suis bait, j'ai compris. Ah, le jeu est bien. Ah, lui, il a rejoint mon équipe, merci. Alors, j'en suis où? Mettez, ça c'est pas fait encore. Les poubelles, c'est vu. Ça, c'est vu. Il faut que je trouve cette foutue cage que j'ai pas vue. Ça, évidemment, je vais pouvoir mongoliser pendant longtemps si je le vois pas. Donc, si vous voyez des cages avec de la peinture rose sur un mur, c'est qu'il faut que je mette un but. Mettez un but. Ah, j'ai une vraie sensation de pas aller vite hein, dans le jeu. C'est très pénible. J'aime pas ça dans les jeux quand vraiment ton personnage se traîne. C'est très très frustrant. La frustration d'un homme. Vas-y, je casse tout. Ça, je l'ai déjà fait. C'est lui qui lui demandait quoi déjà? Ah oui, il veut que les autres me rejoignent, c'est ça? Ah oui, si les autres m'ont rejoint, lui, il va me rejoindre. C'était donc ça. Ah, c'est sur le Game Pass, Kid? Bah, tu sais quoi, je checkerai. Je checkerai, ça, j'ai déjà fait. Je checkerai. En fait, il me reste qu'un truc à trouver. On va essayer de trouver ça. Au moins, essayons de faire un match de foot, quoi. Au moins, essayer de voir qu'est-ce que c'est le jeu de foot. Qu'est-ce qu'il en est? Mais il n'y a rien par ici, je suis déjà passé 4000 fois. Oh, j'ai raté un truc. Est-ce qu'il faut que je ressorte de la ville, peut-être? Que je cherche à l'extérieur? Bah essayons de trouver l'amusement, ouais. Il est où l'amusement? Attends, ça je l'ai fait déjà? Ah, je l'ai déjà fait. Je sais même plus ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Alors ça, évidemment, c'est ma malédiction. Il m'a dit quoi dans le...
5 cages de Soccer Tone sont peintes en rose. Donc il m'a dit 2 Soccer Tone. Ici, c'est Soccer Tone. Donc si je sors, je suis baisé. C'est un peu ça, Fab. Non, mais c'est juste histoire d'y jouer une heure, une petite heure, une grosse heure. Et on se fait une petite découverte. On n'ira pas beaucoup plus loin. Sauf si évidemment, je trouve un jeu extraordinaire et je me dis, ah, là, ça vaut le coup d'y jouer un peu plus. Là, on est plus sur de la découverte. Et on n'ira pas beaucoup plus loin. Donc là, je reviens à ma maison. On est d'accord. Faisons le tour par ici. Ah non! Est-ce que je peux charger? C'est pas bien clair. Hein. Les tutos, ils ont pas été... Ils ont pas été bien clairs. Ah ah! Est-ce que je peux aller à la plage? Ah, je peux pas y aller. Interdiction. Interdiction de m'amuser dans ce jeu, d'aller à la plage. De faire le... Si j'allais revoir Malerone. Histoire de lui mettre... Un petit tacle bien placé pour le casser deux ou trois tibias. Pfft. Est-ce qu'on peut faire ce jour? Attendez, mais il y a un truc là. J'ai vu. Non? Il m'a dit... Oh là là. Il m'avait dit pourtant que c'était des passages secrets. Et là, si je m'imbute, il se passe quoi? Rien du tout. Nothing happen. Hop! Hop, petit tacle. Salut maman. Tu as un ballon? Ouais. C'est tout? Et voilà, go. Par contre, si je tacle, je vais plus vite. Si je spam. Le sprint. Oui, un panneau. Non, là-bas, je peux pas y aller. Ah non, c'est vraiment que j'ai raté cette histoire de cage. Avec de la peinture rose. C'est vraiment que j'ai été inattentif. Donc essayons. Évidemment, le chat ne m'a pas aidé là-dessus. Le chat n'a pas été attentif. Je remets la faute. La faute sur le chat qui n'a pas été attentif. Attendez, soyons intelligents. Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'il de... Enfin, c'est le projet du jeu, quoi. C'est plus être un petit RPG rigolo, je pense, que d'être un jeu de foot. Parce que je pense que le jeu de foot, il doit pas être foufou. Ça doit être hyper... Ah, mais c'était là! Bien joué, le jeu, c'était bien caché. Attention, je sens qu'on va bientôt jouer au foot. On va bientôt jouer au foot, c'est maintenant. Je vais revoir papy. Je retourne voir papy, je lui dis « Ouais, j'ai fait ta quête. » Pas très intéressante, hein. Et après, c'est parti. Salut! Ah... Papy... Par contre, papy... papy vient jouer au football. Ah, t'as raison, Dazer. T'as raison, Nintendo Pocket Football. Football, il paraît que c'est hyper bien. Tout à fait, tout à fait. C'est un jeu sorti en boîte ou c'était un jeu sur l'eShop juste? Je me souviens plus. Mais je ne joue pas au Goal Bowl avec n'importe qui. Tu dois être rapide. Ah oui, ouais, ok. Oui, je suis pas étonné en fait. Ce n'est pas suffisant. Je vais te montrer. Prends cette médaille et améliore ta vitesse. Quoi? On peut améliorer ses capacités dans le jeu? Ah! Oh là là, mais attendez, ça devient un vrai jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, j'ai des statistiques. Mais en vrai, c'est pas si mal. Ah, c'est pour ça vraiment que j'ai l'impression que je vais pas vite aussi. Je m'ambiance. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être 5 dans l'équipe?
Pour l'instant, on est 4. Enfin, on est 3 pour l'instant. Pour l'instant, on est 3. Si je fais ça... C'est quand qu'on joue au foot? C'est quand le football? Est-ce que je cours plus vite tout le temps ou est-ce que c'est que pendant les matchs? Ah non, j'ai l'impression que je vais plus vite. C'est pas clair. Ça, c'est énervant parce qu'en fait, ils ont exprès ralenti les statistiques et tout pour que tu puisses les améliorer, mais du coup, c'est frustrant. Ce genre de choses, c'est frustrant. Cherche d'autres médailles. Non, mais et le football dans tout ça? Pour devenir plus rapide. Tu as un temps limité pour réaliser mon parcours. From Captain Tsubasa to Sonic. Avec ta vitesse actuelle, ça devrait être un jeu d'enfant. Oui. Oula. Attends, mais c'est vraiment Sonic, ça y est. À la go. Ah, c'est vraiment une minute? Bon, ça, c'est un peu nul, hein. Ça, c'est un peu claqué. Wow. Ah oui, quand même. C'est quelque chose. Je sais pas où je vais. Hein. Ah oula, j'ai pas pris la bonne direction en plus. Gros fun. L'amusement à son paroxysme. Ah, on s'amuse. Ah, on sait s'amuser. Attention. Ah, j'arrive. Record du monde. On ne peut pas jouer. Ah, oh, c'est toujours pas le football. Il faut trouver un capitaine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les défis de dribble. Pour chaque défi, tu dois atteindre un autre cône. On fera pas ça. Réussis tous les défis pour gagner une récompense. Et maintenant, dites à Bob que vous avez une équipe. Ok, c'est parti. Alors là, l'objectif, c'est quand même de jouer au football. Est-ce qu'on va réussir à jouer au football? Ou pas du tout? La question, j'ai envie de faire pipi, donc voilà. Ça déjà, mauvaise nouvelle. Mais par contre, le jeu est pas déplaisant. Le jeu est choupi. Bonne ambiance. En vrai, je pense que ce qui peut faire la différence, c'est l'écriture du jeu. Si c'est écrit de façon maligne, et si c'est amusant, ça passe. Les choses ont bien changé. À l'époque, tout le monde pouvait jouer au football. J'admire ton optimisme. Pour que ton équipe soit complète, il va falloir un meneur, un capitaine animal. Pourquoi dans cet univers, ce sont les animaux qui jouent au football? Je ne sais pas. Tatati, tatata, je ne vais pas te parler. Quoi? Par exemple de Panda, notre capitaine animal. Panda adorait le football, comme tout le monde. Jusqu'au cataclysme. Doucement, il faudra impressionner Panda. Je peux passer, tirer et dribbler, comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi à convaincre mes coéquipiers. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il te faut de la maîtrise. Je pense que c'est bon, j'ai un cadeau. Ah, il a disparu. Ninja, c'est Naruto. Retrouvez Bob sur le terrain, il a un cadeau pour vous. Oh, je l'ai taclé sans flex. Oh, ce petit enfant, Frey. Je vais tacler le vieux, parce qu'il m'a bien saoulé. Voilà. Ah, oh, il est invincible, regardez. Je
peux pas le tacler. Tous les autres, oui, mais le vieux, invincible. Comment vous êtes-vous téléporté? C'est un ninja, évidemment. Kagebuchin. C'est un vieux truc, ça m'évite de trop forcer sur mes genoux. J'ai des crampons qui te donneront une nouvelle capacité. Ah, je me disais aussi que le gameplay était limité. Le tir contrôlé. Une petite surprise, ça te dit... Ah par contre, c'est cool si petit à petit dans le jeu, tu débloques des capacités et que du coup, le gameplay s'étoffe. Ça, ça peut être rigolo. Elle te donne une précision redoutable. Tu pourras placer le ballon exactement où tu voudras. Super! Comment est-ce que ça fonctionne? Vise avec le joystick et appuie sur RT pour tirer. Ah bon? Utilise ce nouveau pouvoir pour viser les drones. J'ai lu Daron. Dans ma tête, j'étais là. Utilise ce nouveau pouvoir pour viser les Daron. Quoi? Le jeu pète un plomb. Fais de ton mieux. Ok. Je peux désormais utiliser le tir contrôlé. C'était quoi déjà? J'ai rien écouté. Le mec, il a rien écouté. La base. Attendez. Viser, tir contrôlé. Viser, tir contrôlé, study. Quoi? On avait dit pas les darons. Hein. Je comprends que dalle, hein. Je vous le dis. Attendez. À la cour. C'est comme ça que ça marche. Ah, mais le jeu est pas si mal. Oh là là, mais il se passe un truc en fait. Ah ouais. En fait, il se passe vraiment un truc. Oh, ok, d'accord. Et bien le jeu. Ah, ça veut dire qu'on peut faire des choses. Je me disais aussi, c'était bizarre. Et je peux pas viser plus haut? Bon, c'est pas fou quand même. Oh, le skill de cet homme. Bam. Oh là là, on va pas faire ça pendant 20 minutes. Et mon football, il est où mon match de football? Une heure et on a toujours pas fait de football. Je veux bien qu'on soit sur un RPG. Mais le football. Oh, je pense qu'on l'aurait fait une fois, on avait compris. Hein. Ça c'est pareil, je la faisais une fois, j'avais compris. Je vois pas pourquoi on le fait 4000 fois. Ah, Kid qui m'indique des... Non, pour l'instant, ça change rien, Kid. Mais je pense que c'est... On va le débloquer, les capacités. Pour l'instant, j'ai pas de... Je peux pas jauger, en fait, ma hauteur. Pour l'instant, j'ai que ça. Cette courbe, là. Je peux pas jauger la hauteur. Donc, juste, ça fait ce lobe-là. Enfin, ça fait cette courbe-là, et puis c'est tout. Mais je pense que ça, c'est plus tard. T'as raison, la jauge, pour l'instant, elle sert à rien, j'ai l'impression. Parce que ça change rien, que j'appuie ou pas, que je reste appuyé ou pas, ça change rien pour l'instant. Mais j'ai l'impression que les capacités, tu les débloques petit à petit. Donc j'imagine que ça, c'est pour plus tard. Après, j'imagine aussi qu'on doit débloquer tout ça assez vite. Parce que faire des matchs au début du jeu avec très peu de capacité, je pense que c'est pas très rigolo. Petit tuto de 3 heures. Hein. C'est un peu ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit tuto land. Vous allez encore vous téléporter. Oh, j'ai un succès. En vrai, c'est pas si mal. Salut! Chaque paire de crampons te donnera des pouvoirs spéciaux. Ah, ok! Vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur mon périple. Et vos darons sont comme ceux que j'ai vus quand j'ai trouvé le ballon. J'ai reçu une lettre anonyme, nanani, nanana. Oui, bon, bah d'accord, me raconte pas ta vie. On veut rejouer au football.
Trouve un capitaine. Ah oui, c'est vrai que c'était ça le but. Panda vit dans une grotte au nord-est d'ici. Ah, dans la forêt? Au sud du chemin de fer. Compris, à plus. Trouver la grotte du panda de ses morts. Et on va jamais faire de foot. Hein. Hop, un petit tacle. On va speedrun. Je vais speedrun. Il m'a dit au nord-est, donc j'y vais. Est-ce que je peux? Ah oui, maintenant j'ai une nouvelle capacité. Faut y penser à ça. Hop, bim. Bim. Bam. Ah, mais voilà, maintenant je peux viser les gens directement in... hop. In your face, bim. Ah, c'est rigolo ça, dis donc. Est-ce que c'est là? Bam. Toi, c'est la mort, le décès. Je cherche un panda. Laissez-moi voir mon carnet de règles. Qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit que personne n'est autorisé à parler au panda. Super. Quoi? Il est parti méditer. Mais on sait tous qu'il pique juste un roupillon. C'est un sacré dormeur. Il faut une cloche spéciale. Oh putain, c'est Pokémon. C'est Ronflex. Ah, ils ont tartiné. Toutes les petites références, le JRPG, talali, talala, on a tout mis. Merci. C'est fou tous ces jeux indépendants qui vraiment ont été influencés par tous ces jeux japonais et qui refont les mêmes jeux. En moins bien. Donc, je peux aller le voir. Parce que tous, par exemple, il y a beaucoup de... Il y en a sur le Game Pass d'ailleurs. Des JRPG faits par des développeurs occidentaux. Qui vraiment sont des Chrono Trigger, des Final Fantasy, des époques 2D. Vraiment qui essayent de refaire ça. C'est assez dingue. Mais enfin, il faut trouver Tibidip. Aïe, 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 aïe. Mais tu me laisses passer ou pas? Ah oui, il m'a laissé passer. C'est tout? This is it? Ah, il faut que je suive les empreintes. Oh! Tu m'en diras, attends, suivez les traces, tatati tatata, la confiture. La confiture mène à Ronflex. Bon, on y va. Ah, mais je peux aller là maintenant? Oh! On peut faire des trucs. Mais je voulais viser. Le golf. Non! C'est pas rentré dedans. Non plus. Bah alors? C'est impossible? But! Est-ce que je peux aller dans l'eau? Oh non, j'ai mis mon ballon dans l'eau! Bonjour. Ah, on peut pêcher. Me dis pas qu'on peut pêcher. J'ai l'impression que vraiment le foot c'est prétexte. Le foot c'est vraiment prétexte à faire un petit RPG rigolo. Que ce serait pas du foot, que ce serait la même chose. Je pense que tu peux le décliner avec tout ce que tu veux. Du tennis. Du judo, si tu veux. Peu t'importe. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé Ronflex. Il faudrait que je le réveille. Une cloche pourrait faire l'affaire. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas trouvé la cloche. Ah, flûte. Trouve une cloche. Ah. Le jeu, il me dit littéralement, il y a une cloche dans la forêt mystérieuse. J'étais en train de me dire, ah, il va falloir chercher. Je peux plus lire le panneau? Ah, si. Pourquoi il y a des symboles sur le sol? Et ça, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que ceci? C'est les parcours? Qu'est-ce que c'est? C'est du mini-golf. C'est un jeu de golf ou c'est un jeu de foot? I don't know. I don't know. Qu'est-ce que c'est les histoires? Salut! Bienvenue!
Je vais participer au tournoi de construction, tatati. Les cairns sont des piles de petites roches. Ah, c'est ça, d'accord. Merci. Il faut que je... Ah, mais c'est des quêtes annexes, ça. Oh, ça y est. C'est le jeu des quêtes où on te demande tout et n'importe quoi. La base des JRPG où on s'emmerde. La base. Donc, il faut que je tire sur ça. C'est ça, l'objectif du jeu? Non, il se passe rien. Très bien. Salut, jeune enfant. Veux-tu t'amuser avec moi? Très bien. C'était quoi ma quête déjà? Parce qu'on fait des trucs, mais... Ah oui, trouver une cloche. Oh, il y a un hibou. C'est bon. Salut. C'est un trophée en l'honneur des vainqueurs de l'Apple Cup. C'était en l'honneur de la troisième victoire de la Dream Team Tibidibidip. Mais me raconte pas ta vie. Oh là 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 là. Mon frère Hibou m'a demandé de venir enquêter sur cette coupe. Ah ah. Il semble puissant. Il y a une cavité dans la base. Ah bon? Comment ça? Il y a une cavité. Ah, c'est énervant, tu peux pas viser comme t'as envie, c'est très... la frustration. Il y a une cavité. J'ai combien de quêtes annexes là? Parce que tout le monde m'a dit... Oh, mais il y a une carte dans le jeu! Oh, c'est nouveau, j'ai une carte dans le jeu. Oh, il y a une petite carte, dis donc. Et... Oh, c'est Elden Ring. Ouais, mais en fait, c'est grand. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand, en vrai. Ah, ok. Très bien. Ça, c'est... Je sais pas. Ah oui, ça, c'est mes accessoires. Les coupes... Ah, c'est complètement Pokémon. Hein. Genre, je vais avoir des badges. Très bien. Il me manque le panda. Et qu'est-ce que je cherchais déjà? Ah oui, les kits. Donc ma quête est de trouver la cloche et des quêtes... Ah oui, quête secondaire, j'en ai un million. Cherche des médailles dans la forêt, tatati, tatata. Ah oui! D'accord. Bon, je suis pas sûr qu'on a très envie de faire toutes les quêtes annexes. Déjà, est-ce qu'on joue au foot dans ce jeu de foot? Ça se trouve, on joue jamais au foot dans le jeu de foot. C'est peut-être... c'est peut-être un troll, c'est peut-être la base du jeu. C'est quoi cet point d'interrogation là? On ne sait pas. Et ça, je peux absolument pas les détruire. En vrai, ce serait stylé si c'était ça, Kid. Dernier, ouais, voilà, la fin du jeu, tu joues un match de foot, c'est l'objectif, quoi. De jouer un match de foot. Et là, c'est la fin du jeu. Attends, il a dit quoi? Tu pourrais essayer de marquer dans toutes ces cages. Il se passe aussi quelque chose de bizarre quand tu te places entre les quatre fleurs rouges. Comment ça? Comment ça, il se passe quelque chose de bizarre? Pas tout. Tout ça n'est pas très clair. Bonjour. J'aime bien cette forêt. Cet endroit regorge de mystère. Sans parler de la flore. Et il y a tatati des os. J'adore les os. Tu pourrais m'aider à remplir ma collection d'os. Non. Non. Tu pourras m'aider à chercher des os quand tu l'auras réveillé. Ah. Bon, bah toujours chercher ma cloche. Cette foutue cloche. Qui va me donner une cloche? J'ai trouvé. Super, tu peux aider le chasseur de drones. Aïe aïe aïe, des quêtes annexes. Une quête annexe de plus. Il y a 12 drones, 12 darons.
D'accord, je vais les chercher. Eh ben, oui, tu m'en diras tant, tiens. Oh! Ça veut dire qu'il y a un drone, c'est ça? Si j'ai compris. Aïe, 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 très bien. Bim. Ah, j'ai raté en plus! Oh, oh là là! Ah non! Oh le GG, comment je suis un champion. Incroyable, un champion. I'm a champion. Tu as trouvé, Tatati. Bien joué. On sait pas du tout. Par contre, je fais tout sauf ce que... Le but, hein. Sauf le but de ma quête. Je suis déjà passé par ici. Oui, là, il y a le panda. Très bien. Et si je vais par ici... Ah, mais elle était là, la cloche, depuis le début. Ah bah en fait c'était easy, j'ai fait tout le tour de la zone et c'était à côté finalement. Ah, on va jouer au foot, hein. Promis, on va jouer au foot. Et après on jouera à autre chose. Est-ce que c'est maintenant? Je sens que je vais me faire troller. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, regarde mon ballon. Le seul football sûr est celui de Soccer Tibilip. Non mais on s'en bat les steaks. Ce que dit ça, ce n'est pas vrai. J'étais présent lors du cataclysme. Ah bonjour Aspi. Comment allez-vous? Bienvenue. Aucune idée, on a marqué un but. On joue à un jeu de foot ou on joue jamais au foot? C'est une idée. Tu connais le reste de l'histoire? Le football est désormais interdit. Pourtant, Tatati, mais tu as un ballon? Il est sorti de nulle part, il a l'air magique. Voilà qui m'intrigue. Je ne me suis pas senti aussi éveillé depuis des années. C'est peut-être à cause de la cloche. Cependant... Oh non, pas encore! Il suffit... Je jouerai, mais je veux simplement que tu me montres ta capacité à contrôler le ballon. C'est quand tu veux, j'ai même des crampons de tir. Contrôle. Oh non! Me dis pas que je vais faire des trucs et qu'on va jamais jouer. Ah, un analyste cybersécurité. Moi, je suis pas compétent, Aspi. Je m'excuse. Tire le ballon dans les cages sur lesquelles j'apparais. Utilise des crampons de tir contrôlés. Vise ta patipe. Non, mais ça, je sais le faire, c'est bon. 20 buts. T'es sérieux? Ah non, en fait, c'était pas ça. Ah non! En plus, je suis nul. C'est la perspective aussi, là. Mais en fait, c'est complètement un shonen de football. C'est vraiment le shonen du football. J'ai trouvé mon mentor, j'ai fait les entraînements. Et puis, ça va être Captain Tsubasa, quoi. C'est objectif. Ah non! J'ai raté! Ah non, s'il faut que je recommence, c'est bon, on abandonne. Ah non, 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 je vais pas y arriver. Je suis nul. Ah non, j'ai fail. Bon. Je vais essayer. T'es sérieux? Bon, j'étais pas prêt. C'est juste que j'étais pas tout à fait prêt. Il m'a pris au dépourvu. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Ok. Bah quoi? J'ai tiré là! Non! Concentration d'un homme.
Ah là là, j'ai pas quadri. Oui. Allô, qu'est-ce que tu m'enlis de ça, petit panda? C'est quand qu'on joue au football? Comment ça, il t'en faut plus? Ah, c'est infini. C'est infini. Qu'est-ce qu'il vous fait? Marque 10 fois et on passera à la suite. Vise avec Tibilip, je suis au courant. Tu peux... Ah! Tu peux aussi appuyer sur B pour effectuer un tir rapide. Ah, le salaud! Ah, je peux pas sortir du... Oh! J'ai marqué! Il a dit qu'il fallait mettre combien de buts? Oh, il est nul! Contre-pied! Je vais spammer, je vais spammer. Il a pas le temps de se relever. Oh, je spam, regardez! Il a pas le temps de se relever, il comprend pas ce qui se passe! Oh, je l'ai baisé! Regardez, il peut rien faire! Oh non! Oh, le pauvre! J'ai cassé le jeu! Ah, si on peut faire ça dans un vrai match! Je vais tout casser. Easy le jeu. Il reste juste une chose. Un défi de dribble. Mais on peut pas faire de dribble. Enfin, j'ai pas encore la capacité. La limite de temps de ce défi sera plus basse. Il faudra que tu sprintes. Maintiens. Ah! On peut faire ça maintenant? Oh, j'ai un sprint! C'est bien d'avoir confiance, mais il faudra que tu améliores ton endurance, jeune homme. Tiens, prends cette médaille d'amélioration d'endurance. L'endurance détermine la durée du boost et le temps de récupération. D'accord. Oh ! J'ai une compétence en plus. Si ça, c'est pas incroyable. Ça y est. Oh, j'ai un petit boost. Ah, il manquait que ça. Depuis le début, je dis que c'est chiant. Parce qu'on va pas assez vite. Félicitations. Tu pourras sprinter plus longtemps désormais. Tu t'en rendras mieux compte en match. Et ça semble important. Attends de sentir le boost au niveau 5. Essaye de trouver d'autres médailles d'endurance. Passons maintenant au défi. Réalise mon parcours en un temps limité. Encore ? Oh là là. Ah, me dis pas que c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Le fun à l'état brut. C'est la même merde. Tu sais quoi, je ferai un petit débrief tout à l'heure, Inspire. Concernant le Nintendo... Nintendo Direct. Je voulais faire ça hier et puis finalement on a fait autre chose. Je ferai ça tout à l'heure. On reviendra parce que moi je suis chafouin. Déjà j'ai un devis made in Nintendo à payer. Donc déjà je suis quelque peu désabusé de Nintendo. C'est décidé, le football rentre à la maison. Mais en gros, pour résumer, Inspire, moi je suis pas content. De ce que je vois, je suis pas content. Je vais acheter Zelda, mais voilà quoi. Moi, la direction de... La philosophie Nintendo, là, je trouve qu'il y a rien qui va. Que ce soit les DLC, les remakes, portages, machin, les consoles virtuelles, le Nintendo Online, il y a rien qui... Tout va dans la mauvaise direction. La console qui est nulle à chier, parce que j'étais obligé de la renvoyer au SAV... Faut pas m'en parler, tout m'énerve. Ça m'énerve. Du coup, on va jouer au foot. Football. Non, par contre, c'est jamais la mort de Nintendo. Ça, c'est vraiment le... le truc qui revient tous les ans, c'est ça. Tous les ans, les analystes, ils vont nous dire que c'est la mort de Nintendo. Mais non. Mmh.
Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai enfin une équipe. Eh bah poutou, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que nous allons enfin jouer au football? Attention. Là, je... Le suspense. Là, j'ai un suspense assez incommensurable. Ah non, mais faut-il déjà qu'il existe, ce Metroid Prime 4? T'inquiète pas qu'ils ont le temps de nous les revendre tous un par un. À 40 balles. T'inquiète pas. Plus Other Aim, à 40 balles aussi. Plutôt que de les mettre dans la console virtuelle de la GameCube qui n'existe toujours pas. Je vais pas m'énerver. J'ai trouvé Panda, dont vous ne m'avez pas parlé. Quoi? Ah oui, d'accord, c'était la petite blague, la petite joke. J'ai une équipe et un capitaine, il ne manque plus qu'un match. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Ça y est, on joue enfin au football. Alors si ça, c'est pas quelque peu incroyable. Oh ! Contre des enfants en plus, que je vais tacler et je vais casser des tibias. Par contre, ils sont 50 000 contre moi, c'est ça? Nous, on est 3 et ils sont 4 000. Bienvenue dans le dôme... Ah, oh, Thunderdome. Le dôme du Tony. Serait-ce une référence à Mad Max? Peut-être. Je pourrais peut-être recréer cette atmosphère un jour. Bon, et maintenant, c'est quand qu'on joue? Ah! Ça y est, il se passe un truc. Ah, c'est 4 minutes le match. Oui, il se passe un truc. Ça y est. C'est le moment de bolosser les enfants. Alors, bouger, passer, tirer. Bim. Oh, je joue avec un vieux. Ah non. Déjà, j'ai déjà perdu la balle. Hop. Taclez-moi ces enfants, nom d'une pipe. Oh, je suis nul. Mais c'est pas facile. C'est compliqué. Oh là là, mais... Oh là là, je suis en train de perdre. Ça y est. Mais attendez, c'est difficile le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par contre, il n'y a pas de musique, hein, y a pas d'ambiance. Zéro ambiance. Hop, je tacle tous les enfants du monde. Mais lequel je joue? C'est incompréhensible, je comprends pas. Je suis lequel, là? Quoi? Pas clair. Hop. Hop. Mais c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce vieux jeu de foot de merde? Ah, j'ai compris pourquoi on jouait pas au foot en fait. Mais on joue qui quand on est... Je comprends. Quoi? Donnez-moi la balle, donnez-moi la balle. Pitié, donnez-moi la balle. Que je comprenne ce jeu. Arrêtez de... Oh, mais arrêtez de vous jeter sur moi, nom d'une pipe. Oh là là, il m'a taclé, il m'a cassé les genoux. Y a pas de musique, y a pas d'ambiance. Oh, le fun est mort. Oh, c'est bon. Je peux charger? Comment on charge déjà? Tire! Jeune enfant, tire! Ah, je suis bloqué quand je suis dans la zone. Je vais tacler le goal. Ah non! Ok, 4-0. Je me fais délinguer. Mais laissez-moi tirer! Bon sang de bois! Tacle tous les enfants du monde. Ok, en fait il faut pas garder la balle. Je pense qu'il faut jamais garder la balle. Je pense que la méta du jeu c'est de pas garder la balle. Mais donnez-moi le ballon! Mais qu'est-ce qu'il vous fait? Oh, oi oi, ça cafouille! Cafouillage!
Mais il fallait mettre une musique là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de musique dans ce jeu de merde? But! Mais pourquoi je tire pas? Ok. On va y arriver, hein. Ah non! Catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai pas réussi à tirer un seul but. Pas un seul but cadré. Toujours zéro musique dans ce jeu de merde. Mais... Hop là, je dribble. C'est bon, je suis invincible. Mais pourquoi je n'ai pas ma capacité de viser là? Que j'avais sur le... Dans le mode RPG. Qu'est-ce que c'est cette ambiance? Pourquoi j'ai pas le droit? C'est incompréhensible. Non, j'ai pas le droit en fait. Attention, attention. Je dis, oh! Attention, je reprends la balle. Je reprends la balle. Retiens-moi prendre la balle, petit enfoiré. C'est bon, j'ai compris le jeu. Hop là, je driblote. Salaud. Petit salaud. Hop, je casse des genoux. C'est bon, je fais la passe. Hop, je dribble, je refais pas la passe du tout. Y a pas d'arbitre. C'est interdit. Oh là 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 là. Le carnage. Mais... Oh, l'amusement est mitigé. L'amusement... Attention! Hop! Oh non! Papy! Oh, c'est Papy. Ah, Papy, il a rien fait du tout. Il faut gagner en plus! Pour avancer dans le jeu? Lose the match. Ah non, c'est bon. Eh ben... J'ai compris. J'ai compris pourquoi on s'était concentré sur le RPG. Bah, ok. Ok, très bien. C'était donc Soccer Story. Un jeu de football où on joue pas trop au football. Et quand on joue au football, c'est mitigé. Merci.